Nicolas, holy money. Ça veut dire quoi, holy money? Le sacré. L'argent sacré. Ouais. Et donc, c'est pour ça que nous avons un sacre. Nous avons, oui, mais il y a des éléments. Qui est-ce? Qui Je est-ce? Qui joue est-ce? juste Qui pour est-ce? l'ennuyer. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Ben, c'est le pape. Voilà, mais lequel? Ben, je ne sais pas, Benoît Mais XVI. non, c'est Jean-Paul. Ah, Jean-Paul. Voilà. Holy Money, oui, un film à rebondissement. Mais qui est mauvais. Qui est relativement mauvais, oui. C'est un vrai film qui ne fait que des clichés, C'est du un film début à la italien? fin. C'est un film belge, qui se passe, enfin, en grande partie belge, qui se passe d'abord en Angleterre. Le personnage se retrouve à partir en Italie. Ça va de rebondissement, Emma meurt. Ça va de rebondissement en rebondissement. Et c'est proprement pathétique. L'histoire est vraiment ridicule. Donc, dans les clichés du genre, rien ne nous est épargné. Là, on a évidemment une course-poursuite en Vespa. Paolo Conte au niveau de la bande originale, parce que sinon. Voilà, des plans. Enfin, c'est un film extrêmement démonstratif, complètement impersonnel dans la réalisation. C'est des rebondissements, ça passe d'un truc. Enfin, c'est complètement rocambolesque. C'est une adaptation de bouquin. Je ne sais pas si l'auteur du livre va Est en être heureux. ravi. Mais voilà, c'est un film réellement décevant. Écoute, cette tomate m'a laissé sur le carreau. Merci Nicolas. De rien, On Emma. n'ira donc pas voir ce film. Moi, je l'ai déjà vu. Eh bien, moi je ne le verrai pas. Au revoir et Au à revoir. bientôt.